Mm, -hmm. Voilà, bien le bonjour à vous, la famille. Connectez-vous et partagez le direct. <coughs> Connectez-vous et partagez le direct. Partagez. Je sais que c'est en semaine, il y a des personnes qui sont au travail. Il y a ceux qui, ne, qui se rappellent que le grand-père est là que le vendredi. Désormais, attendez-moi tous les jours. Vous savez, il n'y a pas d'heure pour pleurer le deuil. Quand ça te pique, tu t'assois. <laughs> te rappelle de tous ceux que tu avais perdu depuis la nuit le temps ah, bien le bonjour à tout le monde j'ai un bouton ici qui qui veut me, 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 me tuer on là euh, bonjour josiane bonjour à tout le monde jean nana bonjour à tous ceux qui se connaissent partager le direct comme ça on va parler un tout petit peu. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, attendez, je partage aussi. Hein. Comme ça, on serait un peu beaucoup plus nombreux. Euh, j'ai bien regardé sur la toile pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre en direct, mais j'ai vu personne. J'ai vu personne, donc je suis venu en direct. Le résultat que je vois ici il y a maman Elisa qui est en direct désolé j'ai guetté j'ai guetté partout j'ai pas vu voilà la famille partagez le direct je vais faire rapide j'essaie que maman elisa elle peut tarder un peu plus <laughs> j'ai pas la vie de faire je fuis Bien le bonjour à toi, Mao. Théo, bonjour. Je pense que, au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup d'entre vous se rendent compte que la lutte, ce n'est pas la précipitation, on ne court pas. C'est comme si vous venez sur Internet, vous faites le Congo ça sur quelqu'un pour 10 minutes. Les 10 minutes de Congo, ça là, c'est les 10 minutes de gloire que vous avez. Je ne sais, sais pas quelle gloire même qu'on pense. Et subitement, vous aurez peut-être des mois et des mois pour regretter de votre geste. Pour regretter de votre geste. Voilà, je vais parler rapide, je vais pas être long parce que euh, vous savez comment ça fonctionne. Et qui ce qui est là, il y a euh, plusieurs personnes peut-être qui vont être en direct. J'ai peut-être mal calculé l'heure, mais c'est pas grave. Voilà, je vais faire vite, je vais me tirer. Comme ça, ceux qui pensent que pas ici. En faisant 30 lives par jour, on va libérer le Cameroun. Peut-être que je vais aussi faire les lives plusieurs fois, ça va peut-être libérer le Cameroun. Hein? Peut-être oui. Voilà, on commence toujours d'abord par le partage, la famille. Si on ne partage pas, ça va nulle part. On va se cacher derrière nos canapés. On dit, hé, le problème va partir. va partir, hein? Ah bon, hein. C'est ce qu'on va voir. Le pays, il est gâté. <laughs> si vous n'arrivez pas à penser à ça, c'est que que vous n'avez rien compris. C'est gâté, hein. Gâté de tous les côtés. Et ce genre-là, même en plus, ce qu'ils sont recherché aujourd'hui, c'est plus grave que ce que vous pensez. Ils Evil... veulent... En fait, les petites personnes qui sont en bas le font, le font patiemment. Mais ceux qui sont en haut, ils cherchent un cafouillage, quelque chose qui va gâter tout pour que chacun puisse fuir. Pour qu'on se rejette le tort. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Après 40 ans de la dictature, nulle part au monde, la dictature peut se reproduire. Oui, il y a des dictateurs qui se reproduisent parce qu'ils ont travaillé dans le pays. Il y a des dictateurs qui ont donné de, de, du travail à leur population. Du coup, même ton propre père, quand tu dis c'est un dictateur, il dit tu ne manges pas, tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu veux de plus Éviter d'écouter les blancs. Parce que peu importe ce qu'on fait aujourd'hui en diaspora, les personnes qui sont au Cameroun, dans leur tête, c'est que on est piloté par, la diaspora, par les blancs. Quoi. Si tu dis à un sardina que tu n'avais jamais échangé avec un blanc par rapport au problème du Cameroun, il va te dire non, tu mens. Il va te dire tu mens. Il y a ceux qui disent tu mens. Parce qu'ils veulent à tout prix tirer la couverture de leur côté. Mais il y a ceux qui le disent que tu mens. Ils sont sérieux. Hein? Ils sont sérieux. Ils disent. Non, les gens là, ils sont en train de jeter avec les blancs pour venir déstabiliser le Cameroun. Mais on déstabilise quoi On déstabilise quoi Il n'y a pas au Cameroun là qu'on peut déstabiliser. À part votre poste dans lequel vous mangez matin, midi et soir. Il n'y a rien d'autre à déstabiliser. Il n'y a rien à déstabiliser. Expliquez-moi ce qu'on peut déstabiliser là au Cameroun. Rien. Rien. Le pouvoir n'existe pas. Le gouvernement n'existe pas. Parce que beaucoup de personnes dans l'œuvre te disent Le Cameroun, c'est un pays de paix. Non, ne confondez pas l'intimidation à la paix. Quand vous intimidez les hommes, les hommes, vous les avez domptés comme les, onis, comme les animaux. Et finalement, vous allez penser que ces hommes-là, euh, que, que le pays est en paix. Non, c'est parce que les gens ont peur. Les gens ont peur. Les, gens, les, les Camerounais ne veulent pas marcher. Pourquoi Vous pensez que dans un pays où on intimide pas les gens à machette, on tape les gens avec les machettes, vous pensez que les gens ne vont pas sortir pour marcher Ils vont marcher. Mais aujourd'hui, les Camerounais ne sont pas prêts à marcher parce qu'ils ont peur. On a eu à taper leurs parents. Et il y a des Camerounais qu'on a eu à taper leurs parents. Eux aussi, on les a tapés. Mais finalement, la psychose reste. Quand tu dis Moi, que je vais partir, vas-y, tu vas lire l'heure. Vous voyez ce que ça, ça fait dans la tête Et quand nous, on marche ici, on dit Vous voulez déstabiliser le Cameroun Qu'est-ce que nous, on veut déstabiliser dans ces pays -là? ce pays-là Qu'est-ce qu'on veut déstabiliser dans ce pays-là On dit C'est le père qui donne l'ordre à suivre aux enfants. Si le père c'est un mendiant, c'est un voyou, c'est un homosexuel, tous les enfants vont être les homosexuels. Tous les enfants vont être les voyous. Dites-moi un autre pays d'Afrique, facilement on dit à rien le gros cul de ta mère. Ça n'existe pas. Mais c'est parce que le haut, il a l'habitude de le dire. Et quand on circule un peu, un peu, un peu, ça arrive en bas. Nous, on répète que ce que le papa disait à la maison. C'est simple, hein? c'est simple. J'ai mon fils, depuis qu'il est petit. Il a l'habitude de dire mon petit. Mais l'autre aussi, il vient, qui ne sait pas encore parler, m'appelle mon petit. Il comprend comment j'appelle l'autre mon petit, il dit mon petit. Je vous le dis sincèrement. Tu le places à dire, ça va, Loulou, il dit mon petit, ça va <laughs> Je suis devenu son petit. Mais c'est parce qu'il comprend comment j'appelle comme ça. Il finit aussi par faire les mêmes choses. Je vous ai dit quelque chose hier, ici, sur le Facebook de dimanche hier que beaucoup de personnes le savent, mais ne peuvent pas parler. Vous avez dans un, dans un vous, allez, vous allez aller dans les coins, vous allez voir que les petits trafiquants qui sont en route, la police est toujours forte sur eux. Mais les grands trafiquants, la police ne les arrête jamais parce que c'est eux qui créent les emplois. Donc on torture ceux qui sont dans la rue, on arrête tous les petits-petits-là. Mais le grand trafic, le grand trafic, même on sait où ça passe. On ne l'arrête pas. Au Cameroun, on connaît qui sont les vrais PD. On ne les arrête pas. Mais les petits PD qui sont au quartier, qui se cherchent, on les arrête. Qui les a rendus pédés. S'il si faut rechercher la file jusqu'à tout ce monde-là, est-ce que vous pouvez le faire? Parce que ça va finir par tout, tout, vous trouver dans la maison. C'est vous qui avez commencé. La dignité humaine dans notre pays, c'est quelque chose, c'est une lutte de tous. Parce que je voudrais bien qu'à chaque fois qu'on fait une sortie maintenant, qu'on ne parle pas juste de. Parce que beaucoup de personnes se plaignent. Hein? Oui, quand on tout le temps avec vous. Euh, tout, tout, tout ce qui sera dans votre bouche, c'est comme ton président. J'ai dit, ok, moi je vais te dire comme ton président. Toi qui ne vas pas te dire comme ton président, viens marcher auprès de moi, toi, me dis que euh, Paul Bia, président. Je ne vais rien te faire. Comment on parle de Genève là, tous ceux qui seront à Genève, j'ai dit, chacun peut venir, je vous garantis la sécurité. Si vous ne me croyez pas, personne ne va vous toucher. Où je me trouve, personne ne va vous toucher. Vous venez à Genève, on marche ensemble, chacun avait sa part d'habit. Ça peut être même comme des élections. On verra qui les qui sont plus nombreux. Personne ne va taper personne. Dans notre pays, pour restaurer la paix dans ce pays-là, il faudra qu'entre nous on commence à promouvoir cette paix-là. Montrer à tout le monde qu'on est prêt à faire avec tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi que la crise anglophone les a dépassés? Ce qu'ils font là maintenant, c'est le maintien, ils maintiennent juste pour garder la figure. La déception totale. On va les terrasser, on va tous les tuer. Personne ne va tuer personne. Ils ont perdu. Voilà Paul Biya au pouvoir depuis plus de 40 ans. Parce que quand on dit 40 ans de pouvoir, mais ce n'est que 40 ans comme président. Comme ministre, il était quoi Je suis sûr que Paul Biya, même le chez lui, il a fini de construire, ça ne en fait pas longtemps. Sa maison même, de Mbobekala, il a fini tous les travaux, ça ne en fait pas longtemps. Ça ne fait pas peut-être 10 ans. Parce qu'un mendiant ne peut aller nulle part. Il ne pense pas plus loin que ce scénario. Aujourd'hui, on dit que... Les, et les Camounais sont sérieux, hein. Les Camerounais sont sérieux. Non, Paul Bia, euh, on l'attend ici le 18. Mais, on vous montre clairement devant vos narines que ce pays n'est plus dirigé par Paul Bia depuis longtemps. Ce pays n'est plus dirigé par Paul Bia depuis longtemps. Ce qui fait que dans ce pays-là, on n'arrive même pas à renverser le pouvoir, c'est parce que le pouvoir, c'est la famille. Et On ne renverse pas facilement une famille. Vous pensez que les Nanga et les Ekans ou les, euh, et les Boulous, ils vont se déchirer entre eux Vous le pensez vraiment mais ils vont se déchirer quand ils vont voir que nous, on, est, on se lève et qu'on n'a plus le contrôle. De peur de tout perdre, chacun va vouloir tirer la couverture de son côté. Voilà comment ils peuvent se déchirer. Si on laisse ça dans la paix, quand vous dites, vous êtes tous les jours dans des déchangements dans la paix, non Si on laisse ça dans la paix, alors les boulous et les nanga vont s'entendre et vont regarder le pays pour eux. Vous avez compris où oui, il faut que je répète Parce que pour le moment, personne n'est brusculé. Le nanga n'est pas brusculé, le boulou n'est pas brusculé. Chacun est dans sa position. Tout ce qui parlent sur les plateaux télé là, en réalité ça ne les inquiète pas. Ne vous trompez pas. hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, je vous avais informé ici que ceux qui pensent que la crise anglophone va ruiner le gouvernement et que le gouvernement va, ne, va, ne va plus continuer à lire anglophone, mais vous n'avez pas compris. Je vous ai dit que les faux billets, les papiers qu'on étudie au Cameroun, ce n'est pas de l'agence, c'est des faux billets. La France va l'imprimer et va donner aux militaires camerounais. Et ils vont continuer à combattre. Puisque votre monnaie, vous ne la contrôlez pas. Un pays de mendiants, mendiants dans toutes les positions. Quand je vois des gens sur les plateaux de télévision, je suis un docteur, je suis... Mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes des professeurs malhonnêtes. Parce qu'un professeur qui est capable de mentir parce qu'il est politicien, c'est un malhonnête. C'est un malhonnête. On vous envoie à l'école pour que vous venez nous éduquer. Vous venez nous tromper. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Un professeur n'est plus professeur dès qu'il est menteur. La dignité humaine au Cameroun, on restablit cela comment On fait comment pour rétablir la dignité humaine au Cameroun Je vais vous dire quelque chose. Chaque fois dans votre village, que vous allez voir un nouveau commissaire ou un nouveau commandant quand vous envoie dans votre village, rappelez-vous toujours que ce commandant-là a fait un dégât ailleurs, avant qu'on l'envoie ailleurs. Je vais recommencer pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Chaque commandant qu'on envoie, par exemple, dans un village de l'Ouest, ce commandant qui vient d'arriver, c'est un mercenaire ailleurs. Pour un début, il va être gentil pour d'abord vous mettre dans la poche. Mais un commandant qui fait le dégât ailleurs, on ne peut pas l'envoyer dans son village chez les boulous. Parce que tous les boulous, s'il y a un problème, ils, vont, ils préfèrent tous mourir. Mais comme les Bamléke sont les mendiants, ils vont rester à attendre parce qu'on a envoyé un nouveau commandant. Les gens pensent qu'ils vont renouer les nouvelles relations. Comme on est toujours un peu plus soumis. Mais c'est un mercenaire qui vient d'ailleurs, il a été pourchassé. Celui qui a tué l'enfant à Bafon là. Vous pensez qu'on va de la lever de la main vous, lui, vous y croyez Moi, je ne crois pas. Celle qui a tué Abafsam, vous pensez qu'on va lever de la main Moi, je ne crois pas. On va l'envoyer dans un autre village, on va dire, s'il te plaît, calme-toi un peu. Il, il faut savoir que ton visage, est y a dehors. Et le policier de Bafan, ou sur le militaire, ou sur le gendarme, est parti jusqu'à maintenant, on n'a même pas de photo. Mais il peut se fondre dans la nature comme bonjour. Vous avez compris ceux qui crient, vous euh, n'avez sont des tribalistes, qui a envahi les qui Vous nous avez envahi depuis la nuit des temps. Parce que vous avez su que c'est un peuple guerrier. Mais, ce qui m'amène aujourd'hui à faire encore le direct, et que je suis décidé que je vais faire pratiquement chaque euh, un jour, oui, un jour, non. Durant toute cette semaine-ci, et durant la semaine prochaine, c'est parce que je voudrais rappeler à tous ceux qui sont en train de dire Oui, je n'ai pas fait que parce que c'était à nous qui est devant. Je voulais rappeler que toute manifestation qui est contre le régime, toute personne qui dit je suis un combattant sérieux doit être là-bas. Je dis, toute manifestation qui est pour renverser le régime, toute personne qui dit je suis un combattant doit se rendre là-bas. Si vous ne partez pas marcher pour une manifestation qui est contre pour renverser le régime, alors vous êtes des combattants, des combattants. Donc depuis vous êtes derrière les caméras, c'est pour nous combattre. Ce n'est pas pour combattre le régime. Je voudrais que vous notiez cela. Parce que toute manifestation, je vous ai rappelé quelque chose qui est simple. Hein. Il y a des personnes ici. Je sais que si je sors le mot là dans ma bouche, ça va vous rendre jaloux. Alors je ne voudrais pas vous rendre jaloux. Venez marcher à Genève. Je sais. Je sais. Si je prononce ça, on va dire, ah ben voilà. <laughs> Vous allez profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Arrêtons d'abord que le torrent passe. Je vais lancer cela et je verrai ce que vous allez répondre. La dignité humaine au Cameroun passerait par nous tous. Et ce n'est pas négociable. On l'arrache par force. On doit pousser le gouvernement camerounais à respecter les Camerounais. Si le gouvernement camerounais dit, j'ai gagné les élections. Ok, oh, oh, on a accepté. Tu es où C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas question de dire j'ai gagné les élections et fuir aller se cacher ailleurs. Ça veut dire les propres votants du RDPC doivent venir marcher avec nous à Genève pour dire Nous, on a voté ce monsieur-là, mais nous, on ne le voit pas. Il est où Tous les retournements au Cameroun, là tu dis quoi On ne veut plus les bouts de papier. Voilà ce que vous allez dire si vous avez vraiment voté ce monsieur. Comme nous, on sait que vous ne l'avez pas voté. Mais il vous accuse. Vous restez tranquille. Ça veut dire que vous acceptez que vous avez voté, même par esprit. Si vous accusez que vous venez avec nous, c'est pour démontrer que non. En réalité, oui, on t'a voté. On n'accepte même pas esprit. Mais tu es où J'appelle ici à toute personne qui vit en diaspora. Notre pays est en danger, sérieusement en danger. Ne dites pas demain que vous n'étiez pas au courant. Chacun qui reste derrière son écran chez lui, il passe sur ma vidéo en passant la main comme ça. Il dit, celui-ci vient encore bavarder de quoi? Je vous dis comme ça parce que demain, tu ne serais pas en train de passer la vidéo. Ça serait les pleurs. Ta, ta main qui va passer, ça serait chercher le mouchoir. Que le Dieu de nos ancêtres nous épargne de tout ce que je dis. Ça va arriver. Aujourd'hui, on peut couper l'hémorragie. Vous savez, quand une maladie est encore au début, vous pouvez la soigner avec un remède tranquille. Quand ce maladie là s'aggrave, le même remède qui pouvait soigner le paludisme hier là ne peut plus le soigner parce que c'est devenu trop grave. Aujourd'hui notre pays est embrasé de partout. Hier on parlait de plus de 50 morts entre deux, deux tribus, deux ethnies, des ethnies qui ont toujours vécu ensemble. Ils sont abattus entre eux comme des chiens. Les gens restent dans leur maison, et disent de toutes les façons ce n'est pas encore arrivé à Kourmé C'est quand ça va arriver à Kourmé 5 qu'il va me lever. Tala avait dit que quand ça serait beaucoup au champ, il va, il va prendre un sac, à va aller C'est devenu beaucoup. Il ne savait pas comment le porter. Peuple camerounais, s'il vous plaît. Je voudrais que je parle ici à la diaspora. Parce qu'il se pourrait que nos voix n'arrivent pas trop au Cameroun. Mais on va vous aider à pleurer le deuil. Quand il le foudra. Parce que je sais que ça va arriver. Je, je, je vous ai tout dit, hein. Ce que je dis là, ça va arriver. Il n'y a pas un changement de Paul Bia sans un bain de sang. Oublié. Ça, les d'office, oublié. Un changement de Paul Bia, même pas un clan de Paul Bia, un bain de sang. Vous voyez ce qu'on dit souvent dans les trucs On dit tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. C'est ça là. Ce sont ça là. Ce sont son ça, son ça là que je vous explique comme ça. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Si on ne peut pas manifester à Genève, on est massivement à Genève. La Suisse se comporte comme des... Comment on appelle, Déjà, c'est un pays receleur. Comme des bandits. Ils ne nous promettent rien. Ils parlent avec quelqu'un qui savent qu'il n'est pas conscient. Ils nous disent le contraire. On peut marcher à Paris sans temps. Il n'y a pas d'écho. Regardez seulement comment la brigade anti-sadina à marcher à Paris. 200 personnes. C'est dans tous les journaux. Imaginons-nous, peuple camerounais et la diaspora, qu'on se retrouve tous à Genève le 28. Non, vous n'avez pas compris. D'une main à Paris, on était combien de personnes Peut-être 18 000 personnes ou 20 000 personnes. Paris. Paris. On va dire, ah, de toutes les façons, ce n'était pas rien que les camerounais. Mais 10 000 Camerounais à Genève. Mais vous serez fatigué de lire les presses. Vous voyez, c'est quand on part à Genève marcher que France 24 parle. Ça ne vous dit rien. On marche à Paris. France 24 est devant nous. Le studio est devant nous, il ne parle pas. On part marcher à Paris, il parle. Oh, oh peut-être je suis le seul à voir ça. Je suis le seul à voir. Peut-être vous ne voyez pas. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire Paris, 10 000 personnes, pas de presse. 0,2% des journaux. Genève, 200 personnes, tous les journaux. Pensons ensemble, pensons un peu ensemble. Je sais que beaucoup d'entre nous, on est devenus des mendiants, qu'on ne réfléchit pas, on pense qu'à l'instant présent, c'est simple le calcul. 10 000 personnes à Paris, zéro journaux. 200 personnes, tous les journaux parlent. Et si on faisait l'inverse, on se retrouvait à Genève 10 000 personnes et désormais maintenant à Paris on n'est que 200. Oh, oh dites-moi si ça ne serait pas beaucoup plus beau. Il n'y a que la Suisse pour parler de notre palabre. Je vous le dis maintenant. Il n'y a que la Suisse. La France n'a plus capacité de parler de nos Ils peuvent faire tout là-bas, qu'ils sont, ils faire là-bas. Mais qui a avec la Suisse? Parce que si la Suisse est menacée dans nos problèmes, le monde entier va finir par vouloir parler de nos problèmes. Si la France est menacée dans nos problèmes, personne ne parle parce qu'on dit c'est votre colonie. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Non, vous n'avez pas compris. Je vais recommencer. La France est tatouée comme le col comme le colon, l'ancienne colon qui est là. Il n'a plus rien à dire. Tout ce qu'il dit ne peut raisonner nulle part. Ça finit qu'au fond de la mamite. Tout ce que la France parle, ça finit qu'à Yaoundé entre eux là-bas. C'est que la Suisse peut. Ce qui qu peut se passer en Suisse, ça va se retrouver en, en Afghanistan. Un peu de partout, on va voir la presse suisse. La presse française, on ne croit même plus à eux. Parce que puisque même leur langue, on croit ça qu'au un mensonge. Le français est fait juste pour manipuler. Ça construit quoi? Ça ne construit rien. Je vous ai tout dit ici, dites-moi un pays francophone qui a quelque chose là-bas de beau. dites moi un pays francophone. Comment on va dire qu'Alain Ouattara construit le pays? On construit le pays que dans que le crédit. Rien que le crédit, le crédit, le crédit. Mais regardez ce qu'il parle anglais. Mais la preuve, la, la preuve, on ne va pas loin. Hein. Restons que chez nous seulement, restons qu'au Cameroun. Un francophone et un anglophone. Entre les deux, qui est sérieux Tu peux laisser ton portefeuille à qui Partir et revenir. C'est simple. L'histoire est têtue. On regarde qu'en face. Ne partez pas trop loin. On dirait que c'est ton hôtel qui va percer ta Jésus. Est-ce on dit ça c'est le mensonge Vous ne voyez pas qu'à vous portez vos chaussures. Il y a tout l'hôtel qui veut tout détruire la chaussure. C'est donc, donc quelqu'un qui est à côté de toi là qui va planifier ta mort. N'allons plus en France. Préparons-nous pour le 28. On part à Genève. On arrive à Genève, on est 10 000 Camerounais, on est 15 000 Camerounais. Ils attendent là-bas 5 000. Montrons-leur qu'on peut sauter le compteur. Beaucoup d'entre vous, je sais, moi je connais, je suis conscient. Vous êtes dans un système de woman show. Vous aimez tellement les projecteurs. Et si les projecteurs ne viennent pas vers vous, c'est mieux qu'on annule tout. Je suis conscient. J'ai noté vos noms, hein. J'ai noté le nom. J'ai... Parce que tout ce qui se passe un peu dans la révolution, je note directement. Et ce que je note là, ça ne change absolument rien ce qui passe dans ma tête. Parce que je suis conscient que c'est la réalité. Vous aimez tellement des projecteurs que tout ce qu'on va dire que... Je vais vous dire quelque chose de simple. Je vais vous poser une question ici. Je voudrais que vous écriviez un commentaire. Citez-moi le nom de trois anglophones. J'ai dit trois, je n'ai pas dit quatre. Eh. Trois anglophones qui font les Facebook Live comme les francophones connus. Écrivez le nom là-bas. Citez-moi le nom de trois anglophones. Parce qu'à part Eric Tato qui fait le Facebook Live, les autres gens qui font le Facebook Live, ils n'ont même pas 100 personnes qui les suivent. Déjà, vous fuyez l'anglais. Vous fuyez déjà l'anglais. Donc, de fait, vous n'allez même pas les suivre. Mais on est combien de francophones qui fait les Facebook Live Beaucoup d'entre vous, vous voulez les projecteurs. Et vous savez pourquoi, quand on parle de la lutte décentralisée pour ramener au 237, tous ces gens qui font les Facebook Live, la personne ne veut. Ça devient une affaire de dette coloniale avec Karim Duchaud. Les gens restent derrière, on regarde. Eh. Ça devient une affaire de Marc Seigneur Ivoire. On dit à Calibri, d'abord il n'est pas camerounais. Bon, le problème qui se pose maintenant, c'est que pourquoi ces gens-là ne veulent pas que la lutte part au 237 Parce qu'il n'y aura plus de projecteurs. La projection est finie. Le cinéma est terminé. Je sais que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il dit là. C'est très profond. Vous savez, il y a les personnes qui partent en boîte de nuit. Tellement il aime que le -y parle de son nom, qu'il est même prêt à prendre le crédit pour aller en boîte. Parce qu'il veut juste que le Didier parle de son nom. Si vous n'avez jamais vécu ça, moi je l'ai vécu. J'ai vu en face. Je ne raconte pas les histoires des autres, et je parle de ce que j'ai vécu dans ma vie. Maintenant, imaginez-vous que dans le Nord-Ouest, il y a le général No Pitié, qui est là. Il y a les, 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 les Evo. Imaginez-vous un seul instant que dans le flage, du côté francophone, il y a encore des généraux comme ça. Mais on ne va plus parler des gars de la diaspora. Tous les gars de la diaspora maintenant seront obligés de commenter que des généraux qui sont en brousse. Voilà le véritable problème. Il y aura des nouveaux icônes qui sont nés, qui se retrouvent dans les forêts. On est obligé de les financer. On est obligé de parler que d'eux, des actions qu'ils font. Est-ce que les gens seraient encore d'accord de venir sur Internet? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je vous dis comme ça la réalité. Toute personne qui crie ici, on dit faisons telle chose pour organiser la vie au pays. Non, faisons comme ça. Non, la là pour faire plutôt telle chose. C'est représenté. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le changement au Cameroun, hein. Mais c'est comme, c'est un peu, c'est un peu comme des personnes qui vendent la chèvre et ils arrêtent la corde. Donc on filme un piège, Vous, avez payé la chèvre, mais le monsieur a acquis la jambe, mais la, la corde est entre ses mains. C'est ça les Camerounais de la diaspora que vous voyez sur internet là. Vous pouvez tout faire pour que la lutte arrive au 237. La lutte va arriver au 237 par surprise. Eux-mêmes ne seront pas au courant. Ils seront obligés seulement de commenter. Et malgré tout cela, il faut le faire sans qu'ils ne soient pas au courant. Parce que s'ils sont au courant, ils vont le saboter. Donc il faut seulement que la lutte, la lutte soit comme ça. Jusqu'à plus tard, la personne se rend compte que non, c'est plutôt tel qui faisait cette lutte-là. Parce qu'ils sont au courant, ils vont gâter. Mais tu veux les échapper. Les gens veulent devenir les politiciens. Les gens veulent devenir, peut-être même le ministre de la Défense au Cameroun, ministre de la Communication. Hein? Les gens veulent des postes. Même s'ils si vont rester à pour avant de le faire, ils veulent ce poste-là. Je vous jure sur l'honneur. Voilà pourquoi la lutte ne décolle pas. Vous pouvez tout faire. Tu t'assois là avec les gars, tu dis bon, voilà, les gars, si on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. En moins d'un mois, ça déclenche au pays. Les gars disent euh, ok, ok. Mais on va, on va un peu voir ça. Là, le lendemain matin, tu écris dans le groupe, personne ne répond. Tu commences à dire bonjour, on ne te répond plus. Tu es dangereux. Comment tu peux penser à un truc comme ça? Comment tu peux faire que les, 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 les trucs les échappent? Personne ne veut être échappé de cela. Rendez-vous à Genève. Vous aimez les projecteurs, là-bas, il y aura les caméras. S'il vous plaît. Oh, venez. Si les gens du Cameroun ne sont pas prêts à sortir, ici on a la capacité de sortir. Sortons. Je vous ai donné, je vous ai lancé un défi ici. J'ai dit... Que chacun fait un direct par semaine. Vous savez pourquoi j'avais dit cela? C'était pour voir si vous êtes discipliné. Et c'était pour voir si vous pouvez respecter aussi les autres. J'ai vu que vous n'avez le respect pour personne. Même pour vous, même vous n'en avez pas. 14 heures direct, 17 heures direct, 22 heures direct. J'ai droit de réponse. Vous êtes devenu des journalistes. Et vous voulez vous mélanger avec des activistes. Vous êtes des activateurs, pas des activistes. Et en plus de cela. A chaque fois qu'il y a une nouvelle information, vous n'êtes même pas journaliste. Vous ne connaissez pas l'information. Boum, boum, vous êtes dedans. Vous, vous attaquez à tout le monde. Vous êtes devenus des pig vraiment Prêturement Colomb. Peuple camerounais, mon direct de ce lundi 16 août c'était qu'on se retrouve à Genève. Qu'on parte tous à Genève. Ne restons plus derrière les écrans pour demander à celui qui a commencé la bagarre de dire arrête. Arrête. Quand les coups de poing vous saoulent, vous ne pouvez plus comprendre, arrête. Tu gères système les coups de poing en l'air. Alors, c'est nous, des observateurs, on voit la bagarre. Maintenant, on doit séparer. L'armée camerounaise, si je vous dis ça, vous ne me croyez pas, ça veut que vous n'allez jamais croire à personne. L'armée camerounaise veut que vous sortez dans la rue massivement. Je parle des soldats qui sont dans la brousse. Les soldats qui sont au front, je vous le jure, ils veulent que vous sortiez, ils veulent que les camerounais sortent. Il veut que les Camerounais fassent un truc qui va arrêter la guerre. Les gars sont fatigués de la guerre. Les gars perdent la vie tous les jours. L'armée Camerounaise ne parte plus en brousse chercher les gars. C'est parce qu'il n'a pas envie de mettre des messages de vocales ici. L'armée Camerounaise ne veut plus aller en brousse chercher les combattants anglophones. Les gars sont restés en route. Parce que tu entres en forêt, tu ne ressors pas. Les gars sont les de comme les Ngangou. Tout soldat Camerounais qui entre en forêt, il ne sort pas. Tous ceux que vous voyez tuer là, c'est ceux qui ont voulu défier le diable, quoi. Il y a les petits villages dans le nord-ouest La main ne passe plus jamais là-bas. Jamais. Les pièges sont partout. On piège partout. Et on a beaucoup de sang derrière les fauteuils. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que je parle là, ce n'est pas une affaire de basse machin. Oubliez la basse. Vous êtes suis un homme de paix. Ne voyez pas parce que c'est que quand la paix j'arrive à un niveau je dépose la paix à côté je dis attends j'ai pas un peu de thé je reviens oh, oh je vais revenir te trouver si on sort tous on se retrouve à Genève je vous assure ça va changer d'un iota dans ce pays là la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest les gars maintenant jouent que le maintien ils jouent que le maintien mais le maintien là c'est nous les perdants c'est nous les perdants parce que rappelez-vous qu'après cette guerre là il faudrait aller refaire la paix. Et la paix est encore plus difficile que la guerre. Vous savez, appuyer sur une kanachikov, c'est très rapide. Les balles sifflent. Même si le son fait bouger votre cœur, mais vous êtes sûr d'abattre plutôt la personne, puisque vous sentez le son de votre voix. Peuple camerounais, on ne serait pas capable d'arrêter ces guerres-là, plus le temps va passer. Diminuons un peu les dégâts. Je parle de la diaspora. Si on arrive à diminuer les dégâts, un jour, il y aura moyen de s'asseoir sur une table. Aujourd'hui, vous allez rester en, en retrait. Et ça devient encore plus dangereux. J'ai vu des personnes qui ont parlé tellement de la crise anglophone qu'aujourd'hui qu'on convoque la marche à comment on appelle ça à Genève, ils disent qu'ils ne partent pas. Moi, la question que je voulais vous poser ici, si le général Nopité convoque une marche à Genève, vous allez partir oui ou non Répondez, n'ayez pas peur d'écrire. Que chacun écrit. Le général Nopiti convoque une marche à Genève. Il y a l'autorisation. On dit que c'est le général Nopiti qui a convoqué. Vous partez ou vous ne partez pas C'est quelque chose de sérieux. J'ai envie de savoir parce que vu que lui il est au front, vu que lui il décapite, il coupe, il tire. Vous allez partir à la manifestation qu'il a convoquée pour restaurer la paix ou vous allez dire tu es un terroriste, nous on ne part pas. Je vous ai toujours dit que beaucoup d'entre nous, chacun, chacun est venu dans ce monde-ci avait une histoire. Il y a de cela, quatre ans en arrière, si quelqu'un m'avait dit que tu vas un jour promettre à Pomba que même sur une jambe, tu vas le faire la guerre, ce mot-là ne pourrait pas sortir de ma bouche parce que même le français, je ne le parlais pas. Chacun est né avec une histoire. Aujourd'hui, tout ce mot-là me revient à l'esprit. Parfois je prononce des mots ici, alors je le sais. Je dis, après, j'écoute même peut-être la vidéo. Je dis, comment j'ai fait pour prononcer ça? Allons marcher à Genève. Dans ce combat-ci qu'on fait, j'ai toujours parlé de détermination. J'ai toujours parlé de détermination. Arrêtez des petites querelles. Vous vous êtes engueulé durant beaucoup d'années. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Celui-ci attaque l'autre. L'autre demain répond à l'autre. Vous, vous avez fini de vous répondre entre vous. Laissez les réponses à côté. Allons marcher. Que ceux qui ne partent pas à Genève ne sabotez plus Genève. Si vous sabotez Genève, ça veut dire que vous n'avez jamais rien compris à la lutte. Tout ce que vous viendrez dire après, ce n'est que du blabla. Parce que qui dit saboter Genève dit saboter le reste des marches. Vont avoir la diaspora. Je voudrais que vous le mettiez ça en tête. Qui dit saboter Genève? Dit saboter le reste des marches. Parce que je vous ai dit, quelqu'un sabote Genève et il me parle d'aller marcher à Paris. Mais ça veut dire que tu es toqué. Tu n'as rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. On vous parle de quelque part où quelqu'un vient depuis 82. Depuis 82, quelqu'un vient là-bas. Moins de petits efforts qu'on fait un peu à Genève, les couilles, pff, Ça retentisse un peu de partout. Rien que petit effort comme ça. Regardez quand on vient à Paris pour marcher. Il n'y a jamais trop de policiers. Hein? Mais quand on vient à Genève pour marcher, mais il y a au moins 200 policiers. Les voitures de partout. Vous ne comprenez pas que la queue du reste se trouve là-bas. Vous ne comprenez pas? Non, moi, j'ai... en fait, parfois, je reste seul dit. Ah, de toutes les façons, je vous ai dit ça hier. Hein. Quand ça me dépasse maintenant, il dit pour tout le monde. Hein. Parce que je me demande parfois, comment vous faites pour penser comme vous pensez là? Ça veut dire la lutte n'est pas dans vos esprits. C'est juste faits d'actualité que vous voyez sur Internet qui vous pousse à parler sur Internet. En fait, c'est ce que moi, j'ai pensé. Hein. Parce que quelqu'un que la lutte est dans son esprit, mais il dort en pensant lutte, il se lève en pensant lutte. Mais si vous n'arrivez pas à penser à la lutte, c'est parce que ce n'est pas dans vos esprits. Toute personne qui convoque une manifestation, qui vise à chasser le régime, je dis, vous ai dit, même un membre du RDPC, il suffit seulement qu'il un Facebook Live, il convoque une manifestation en disant, je ne suis plus d'accord de ce que Bobby a fait, je suis derrière lui, hein. Comme un couple dirait la j'ai son lien, il l'appelle. La manifestation, c'est où mon frère Tu fais ça par où <laughs> Non, on ne vient pas là. Comme il a dit manifestation, il n'a même pas fini. Hein? C'est moi qui l'appelle et dit, oh, c'est la c'est pas où Tu fais ça comment Et le lendemain, la a géré tellement, S'il a même dit ça par amusement, il s'est trompé. C'est ça la réalité. Je vous ai dit, dans un pays, on a besoin de tout le monde. Dites-moi si vous avez vu un pays où il n'y a pas les fous. Dites-moi si vous avez vu un pays où il n'y a pas des personnes qui font le congo ça. Dites-moi si vous avez vu, il y a vu un pays où les gens ne font pas le sabotage. Dites-moi si vous avez vu un pays où il n'y a pas des personnes qui sont jaloux. Mais c'est l'ensemble c'est là qui forme le puzzle. C'est la réalité. Dans cette révolution-ci, on a des fous. Et je peux vous rassurer que si dans cette révolution-ci, on n'avait pas des fous, ça devait m'inquiéter. Puisque dans ma tête, c'est que parmi nous, il y a les services secrets. Je suis conscient. Il y a certains qui n'arrivent pas vraiment à les dévoiler, de se dévoiler. Mais moi, je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas, pas 4 ans, je n'ai pas 10 ans. Je vous ai dit, je suis un rococo. Vous savez ce qu'on appelle rococo donc un, pas les bangando de 2,50 euros. Un vrai bangando. Donc, c'est de bangando qui trace d'abord le plan des jours et des jours et des années avant de faire ce qu'il veut faire. Ça à dire tout ce que vous faites devant moi, même si je ris avec vous, je suis conscient de ce que vous êtes en train de faire. Je vous calcule, j'analyse, je mets chacun de côté. Donc, quand vous marchez chaque fois avec moi, rassurez-vous que vous marchez comme ça avec quelqu'un que quand tu ouvres la bouche pour dire un mot, j'ai à toi analyser. Et je n'analyse jamais mal. Toujours de la plus belle des manières. Allons marcher à Genève. C'est tout ce que moi je vous demandais. Que personne ne tape plus sur la marche de Genève. Si quelqu'un tape sur la marche de Genève, c'est parce qu'il veut que la diaspora ne marche plus. C'est parce qu'il veut que la diaspora ne marche plus. Parce que si vous tape, continuez à taper sur la marche de Genève, je, vais, je, te, je vous ai promis depuis hier, hein, je vais vous montrer que je peux taper sur les autres. Je ne fais pas le Congo ça comme vous faites à deux balles, vous restez tranquille. Là. Non, je connais, je planifie le Congo ça. Je planifie le Congo ça le plus, de la plus belle des manières. Je vous montre par A plus B comment ça fonctionne. Et pourquoi vous le faites. Allons, ma chère Genève. Le peuple camerounais souffre. Inconscient. Somnambule. Qui ne savent même pas ce qui les arrive. Et vous êtes conscient ici. À chaque jour, vous attendez un cadavre. Pour faire des publications. Oui, mais on a tué le jeune. On a tué le jeune. À qui le tout Qui va être tué la prochaine fois j'ai vu un truc sur Facebook on demandait qui va être roi. Tout le monde a fait les postes sur ça pour demander qui va être roi. Qui va être tué le prochain tour? Qui serait le prochain à être tué au Cameroun par l'armée camerounaise? La milice va tuer qui la prochaine fois? Qui serait le prochain Bamiliki à être abattu? Pendant ce temps, vous faites des posts en diaspora. Le prochain Bamiliki à être abattu, qui me doit d'ici Qui montre que c'est moi? Ma pékinami. Parce que ce que vous tous vous attendez, vous attendez la mort du prochain. pour dire, on oh, ne peut plus accepter ça dans ce pays. Et rentrez vous asseoir et attendre le prochain. Allons marcher à Genève. Le 28 à Genève, je voudrais voir tous les Camerounais la diaspora. Faites sauter le compteur. Je voudrais être un pacte de joie sauvage de vous voir nombreux là-bas. Et comprendre que je ne m'étais pas trompé. Je ne pas né dans le mauvais pays et dans la mauvaise région. Peuple Camerounais. Euh, j'ai parlé quelque chose ici que je serai le meilleur ça. Je vois des personnes qui écrivent des trucs. Ce que de quoi je suis peut-être capable ou des mots qui peuvent sortir de ma bouche, vous ne pouvez pas croire. Je me retiens. On dit qu'il y a des mots qu'il faut pas prononcer pour ne pas faire peur aux enfants. Tous ceux qui font tous ces tapages qui font sur Internet, c'est des charlatans. Je les ai testés tous. C'est des charlatans. Au premier coup de tir, ils seront tous en brousse. Ils vont fuir. Vous avez compris? Alors, il y a quelques-uns parmi eux qui croient être des combattants et les autres les manipulent. Ça veut dire, ça veut dire, de toute façon, quand vous regardez, regardez dans ce combat-ci. Vous, vous êtes conscient, vous regardez les personnes qui sont déterminées. C'est pour ça que vous voyez que les personnes qui sont déterminées finissent par s'entendre entre eux et rester dans un petit coin. Regardez bien comment ça fonctionne. Je vous, je vous explique comme ça la, la réalité. Les personnes qui s'entendent, qui restent dans un petit coin comme ça fermé. Ça c'est des personnes qui sont sérieuses et déterminées. Regardez bien comment ça fonctionne. C'est pas moi, j'ai pas besoin de vous citer les noms. Regardez comment ils se comportent. Ça veut dire que je peux dire quelque chose qui va à l'encontre de la même personne. Ils ne viendront même pas ici me répondre. Mais regardez les personnes qui sont embrouillées. Et dimanche. Non, je veux faire ça après Genève. Parce que si je fais ça, Il y, y a des personnes que j'ai envie de. Euh, il y a des choses que j'ai envie de savoir, quoi. Mais je sais comment me traiter de tribal. Mais je vais le savoir. Je vais poser la question ici. Je vais mettre le téléphone. Vous allez répondre. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Parce que ce jour-là, ça va chauffer. Je vais mettre le numéro de téléphone ici. Je vais dire, parlez-vous seul. Quand quelqu'un parle, ce qui ne me plaît pas, je coupe le téléphone. Je remets encore le téléphone. Eh, peuple Camerounais. Parce que le mal est profond. Le mal est profond. Le peuple souffre. Nous, on est très loin. On boit de l'eau potable. Regardez. Nous, on boit l'eau ici jusqu'à l'autre même emballée. Vous avez vu, regardez, c'est l'eau, regardez. Vous voyez, c'est l'eau potable. Donc même les autres sont même emballés. Mais quand on vous vous voyez au Cameroun, ça veut dire que ce que vous buvez est sale. Vous vous lavez avec, avec elle alors. Ça veut dire que vous vous lavez maintenant avec le reste de pipi du caou. Et nous, on a décidé qu'on ne veut plus accepter cela. Ceux qui voient sur voient sur les caméras étant au Cameroun, que nous, on veut déstabiliser le Cameroun, non, c'est faux. Vous avez compris C'est faux. C'est qu'on veut un pays meilleur. Et je voudrais vous dire quelque chose une fois de plus ici. Dans cette lutte-ci, j'attends toujours la détermination du peuple bassa. J'attends toujours leur détermination. J'attends toujours qu'ils montent au créneau. J'attends de les voir, que la fête là, ça va finir encore comme ça avait commencé avant là. Je vous attends un jour monter au créneau. Je voudrais plus. Plus de jeunes Bassa qui comprennent que ces gens-là nous mènent en bateau. Ne pensez pas parce que vous avez un petit ministre chez vous qui peut vous donner quelque chose. Il ne peut rien vous donner. On vous endort avec les mots. J'avais vu le, le, le gars de Bantoupe aussi qui est parti reprendre, prendre ses droits d'auteur. On l'a donné 86 francs de droits d'auteur. Il était dépassé. Mais aussi parce qu'il n'a pas compris. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous arrivez à comprendre qui est ce gouvernement-là. Mais vous allez bien vous comporter. Vous allez comprendre comment traiter ce gouvernement-là. Vous savez, une fois, en Espagne, j'avais des problèmes. J'avais beaucoup de problèmes avec la justice. J'ai commencé à décider de vouloir rentrer au Cameroun. Mais comme les ancêtres sont toujours forts, je ne suis pas rentré. Je voulais rentrer, je voulais rentrer en Afrique pour ne plus revenir ici. Mais le plan que j'avais planifié dans ma tête, parce que depuis ce temps-là, je voyais comment le gouvernement se comportait. J'ai vu comment, j'ai vu, vu suis allé dans ce pays-là deux, trois, quatre fois. J'ai vu comment le pays fonctionnait, j'ai compris que même les gars qui font les gants au Cameroun, ils sont les arrête juste parce qu'ils sont pas. Il y a un peu un manque d'intelligence et peut-être fait tout à l'abus. Selon comment le gouvernement camerounais se comporte, moi d'être colonial, je m'assois au Cameroun, je monte un cartel là-bas, c'est pas facile de démonter, de les, comme on dit en français. Parce qu'ils sont tellement cons et tout s'embrouille. Et tous les gars qui font même des trucs dans vos pays, ils sont tellement égoïstes qu'ils veulent seulement tout avoir. Et voilà pourquoi tous les petits trucs qui montent au Cameroun, tout se gardent vite. Ça se rapidement. Parce qu'ils veulent tout avoir. Regardez un peu ici en diaspora ou dans les autres pays. Vous allez voir le chef du cartel. Il monte quelque chose, il n'est jamais là. Un peu comme Pomba fait. C'est toujours sur haute des du chef de l'État. Où ouais, est le chef de l'État Personne ne peut le voir. C'est exactement comme ça. Et ce pays-là doit changer. Parce que tous ceux qui sont les commissaires de police, police et les commandants là, ce sont des personnes. Quand les nomme comme ça là, va vite, il n'a pas de formation, il n'a rien. L'esprit du village l'habite. Quelqu'un avait dit que l'autre est quitté du village, il a emporté le village avec lui. L'esprit du village le honte tous les jours. Et pour un oui ou pour un non, il peut dégamer une arme sur vous. Il n'a pas de formation. Le colon est parti avec précipitation en instaurant un système de pédophilie. Sur la tête du pouvoir. Les, homo les homosexuels ont pris le contrôle. Les homosexuels n'ont pas eu le temps de former les commissaires et les commandants. Tout ce qu'ils ont fait, c'est que pour être commandant, on dit passe pas ici, passe par cette chambre ici sur l'autre côté. Il devient commandant. Comment il peut respecter le peuple sur lequel il est censé les protéger Vous voyez un Camerounais arriver en prison, la prison où le policier est censé le protéger, non c'est encore le policier qui doit le tabasser. Voilà pourquoi le peuple anglophone est en forêt. Parce que le, la police ne peut pas, un policier camerounais ne peut pas te dire quelque chose qui peut te garantir la vie. C'est ton assassin. Quand tu le regardes physiquement, il ressemble à un assassin. Il te parle qu'avec intimidation. Il ne te parle jamais d'où. Voilà le problème de notre pays. La dignité humaine n'a pas de prix. Et peu importe le temps que ça mettra, on doit restaurer ce pays-là. Les gens dans le tête disent que, après bien, ça sera encore bien. Mais j'ai vu beaucoup ont commencé à changer ce nom-là. Parce que je vois des pubs, les gens ne parlent plus trop ça sur Internet. Les mots d'après, ça serait bien là. C'était quand au début de la basse. Quand la basse chauffait encore, ils ont dit ça. Ils ont cru que ça devait faire six mois, ça devait se calmer. Un an passe. Deux ans, ils disent Oh, oh euh, vraiment Vous avez vu Le, le seul le, le satiné seul qui ne changeait pas sa version des mots, c'est seulement Dieu redonne son bas. Les autres ont commencé à tourner les vestes. Les gens qui portaient les 54, maintenant, ils augmentent même les manches pour que ça entre sur eux, parce qu'ils ont tourné le côté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire alors, c'est la réalité en face. Dans ce pays-là, beaucoup vont être tués, mais on va finir par être libres. Et qui dit libérer le Cameroun libère l'Afrique centrale. Parce qu'on aurait un président qui va assister à tout. Il serait prêt pour le peuple. C'est la réalité. Si le Cameroun est libre, voilà pourquoi la lutte du Cameroun est trop difficile. Hein? Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Nos parents sont morts dans les forêts. Quelqu'un m'a dit que. La personne ne parlait même pas avec moi. Il parlait plutôt. À une amie à moi, mais moi j'étais là, j'écoutais. Il dit, comme l'ami est bassa, il dit à l'ami que tu fais quoi avec les bamlekés jusqu'à tu te dis comment d'être colonel ton ami. Moi j'étais assis dans la voiture, j'écoutais dans, dans le bluetooth la voiture, j'écoutais. Ça fait peut-être deux semaines comme ça ou trois semaines. Ça m'a pas fait mal. La fille même voulait raccrocher le téléphone pour dire non, laisse, non, laisse, il parle. Il dit, les bamlekés ont trahi les bassards. C'est pour ça qu'on a tué les Bassa. Je ne peux pas entrer dans leur bêtises là. Parce que quand ça va commencer, ils vont encore nous trahir. J'ai écouté ça, je suis resté tranquille. Mais l'histoire que moi je connais, c'est que c'est les Bassa qui ont trahi Oumyobé. Robert um a été trahi par les Bassa. Parce qu'après la mort de um en réalité, la lutte pouvait s'arrêter. Ceux qu'on a tué avec le Napalm. Où tuer tout ce monde là qu'on tuait. Ce n'était pas pendant une Omiobe. C'était après la mort de Ça veut dire que quand les ONS prend encore la lutte, ça devient vraiment sanglant. Voilà la vérité au Cameroun qu'on que ne peut jamais expliquer aux autres. Le peuple américain, c'est un peuple guerrier. Voilà. On ne veut pas qu'il arrivent au pouvoir ou dans, dans, tout, toutes choses qui prennent le contrôle. Parce qu'ils savent que c'est des personnes qui aiment les autres. Vous imaginez un papa à l'ouest qui a 24 femmes. 157 enfants. Ils trouvent moyen de prendre soin de tous ces enfants et de leur éducation jusqu'à partent Imaginez-vous, Paul Biave, 100 enfants. Il n'a que 3 et il ne prend pas soin. Imaginez-vous, Paul Biave, même 20. Mais on aurait 20 voyous qui vont fumer partout, faire tout partout, comme vous voyez là. Personne n'aurait l'éducation. Vous pensez que pour un basse, il y a 6 un jour comme ça, dit à Brenda que ma fille viens et assois-toi. Vous vous imaginez ça Je n'y crois pas. Il dit ma fille, il a autant de fumée que tu fais là, tes poumons vont s'éclater. Pomba n'a jamais fait cela. Il ne l'a jamais fait. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire Et c'est ça l'éducation. Dans un pays, déjà un président qui n'est pas capable d'éduquer ses propres enfants. Vous pensez que c'est vous dans la rue qui va vous éduquer Il va vous tuer. Parce que vous ne comptez pas pour lui. Le rêve de Pomba était d'être femme. Il est né homme. On l'a malmené. Comment on l'a malmené là On l'a mis dans des postes où il ne s'attendait pas que ça devait durer longtemps. On le maintient là-bas. On dit reste. Si tu parles là, tu vas tout perdre. Mandiant de son état, il est là. Mais regardez, dans un pays, un président qui aime son peuple, avec tout l'argent qui vole, il doit financer les riches derrière, des commerçants derrière, des emplois derrière en cachette. Et on va développer le pays. La France serait seulement avec ses gros yeux en train voir comment le pays se développe un peu, un peu. Mais tout ça, ça serait qui Toujours le président qui est devant. Mais non au Cameroun, on accuse les Bablicains que non. Les gens du gouvernement prennent l'argent pour donner à eux. C'est eux qui travaillent. Mais on, on vous a dit de rester tout derrière. Vous ne pouvez pas vous mettre devant. Vous ne placez tout derrière. Le peuple camerounais en a marre. Rendez-vous à Genève. Le 28 à Genève. On va arriver là-bas. On va marcher. Chacun va libérer son esprit. Vous allez crier. Vous voyez, quand il pas hommage. je crie jusqu'à quand il rentre dans mon esprit. Peut-être qu'il laisse même mon esprit à Genève. J'arrive ici, on a dit, oh, oh reviens, s'il te plaît, la voix est partie. Parce que je veux libérer ce que j'ai dans, dans moi. Vous ne pouvez pas passer le temps à dire, le pays va mal. Chacun dit de son côté, le pays va mal. Mais quand on dit allons marcher, personne ne va marcher. J'ai vu quelqu'un dans sa révolution, on l'a appelé ma photo. Mais ceux qui l'appelaient ma photo ont plus de clichés qu'elle. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle veut dire? Revenez à Genève. Quelqu'un m'a indexé, plusieurs personnes m'ont indexé en inbox en disant que si je veux partir du MSC pour rejoindre le RDPC, que je parle tranquillement. Plusieurs personnes, les messages étaient répétés, mais comme c'est les messages WhatsApp, je ne vous ai pas bloqué au téléphone parce que d'abord, je ne sais pas qui vous êtes. Mais je voulais vous répondre ici sur ce Facebook Live-ci. Si je devais entrer dans un parti politique au Cameroun, ça serait l'UPC. Donc si je suis la tête de quelqu'un, je vais sur Oui, Parti. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire Même si les bassards pensent que l'UPC c'est pour eux, ce n'est jamais pour eux. On a tué beaucoup de mes parents avec le napalm à cause de ce UPC là. Donc plus tard UPC va rester comme le drapeau national. Croyez-moi. Ceux qui disent que euh, je vais un jour faire la politique et ça, ça, ça serait à l'UPC. Mais pas une, je ne veux plus la politique de mensonger. Hein, parce que politique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça serait une politique réelle. Quand c'est rouge, quand vous m'appelez à pas pour parler avec moi, parlez quatre sur table. Sinon, vous avez tout trahir. Ça serait la qualité de politique là, que nous va faire. Pas la politique. Quand tu dis la vérité, on dit ce n'est pas un bon politicien. Vous savez, au, au, au Cameroun, on dit que le professeur Maurice Canton n'est pas un bon politicien. Parce qu'on voit qu'il est. Donc pour eux, le bon politicien, les mendiants, pour eux, le bon politicien, c'est un menteur. Si vous mentez, vous êtes un bon politicien. Si vous dites trop de vérité, ce n'est pas politique. Ça veut dire politique signifie mensonge. Alors dans ce pays-là, il n'y aura plus de politique. Il y aura la vérité en face. Donc ceux qui pensent que j'ai dit que le MSC doit aller à Genève, le RDPC, si probable, vient aussi à Genève. Puisque le PCR, c'est le RDPC. Donc venez tous à Genève. On va marcher pour demander la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. La Suisse avait dit qu'ils devaient être médiateurs, on ne les voit pas. Ils sont comme des brigands cachés, ils attendent que l'heure pour nous agresser. Il nous dit que Pomba est à Genève pour un court séjour privé. Pomba vient se soigner à Genève. Vos grands-parents sont malades, ils n'ont pas d'hôpital. Une seule nuit de Pomba à Genève qu'on suit, est un hôpital. <laughs> on dit hôpital, hein Parce qu'il y a des gens qui ont dit hôpital, on dit hôpital. Quand tu dis tal, il dit tôt". Tu dis tôt et dit tal. Comme ça peut sortir. Mais Pomba n'a pas conçu cela. Mais il vient en Europe se soigner chez les autres. Imaginez-vous que les autres aussi n'avaient pas conçu. Le mendiant ne pense pas. Un mendiant pense qu'à maintenant et tout de suite. Il ne pense pas à demain. Voilà pourquoi les anglophones vous ont appelé Chop Broupon. C'était à cause de Paul Bia qu'on a appelé comme ça. Je sais que parmi vous, il y a des hommes bien. Mais la peur fait que personne ne veut changer. J'ai vu un vieux dans un village. Toujours chez les boulots là-bas. La route est totalement gâtée. Le journaliste a demandé, que, mais pourquoi vous ne dénoncez pas ça Il dit, eh, je vais garder ma tête. On va venir me tuer ici en cachette. Vous voyez Vous pensez que seulement à l'ouest, qui nous menace Il menace même chez eux. Est-ce que chez vous, à l'ouest, vous pouvez arrêter un papa l'attacher sur un poteau Le fouetter, peu importe ce qu'il a fait. Chez nous, à l'ouest, ça n'existe pas. Vous avez compris Mais chez eux, ils ont la capacité d'arrêter un vieux, un vieillard. Le fouetter au maximum. Je vous ai dit, ce sont des sanguinaires. Donc si vous voulez faire quelque chose avec un militaire ou un policier qui se retrouve dans votre région, prenez la distance. Sinon, vous pouvez perdre la vie. Comme un jeu. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Comme un jeu, vous allez perdre la vie. C'est des sanguinaires. Voilà pourquoi le colon, quand le colon est arrivé au pays, il a testé tous les tribus. Je vous le dis, hein. Il a testé tous les tribus. Aujourd'hui, la ministre Boulou fait peur à tous les Camerounais. À l'époque, ce n'était pas la milice Boulou qui faisait peur. Vous savez ce qui faisait peur c'était ceux qu'on appelait Ketoum Vangue. Vous voyez les gens du Nord qui viennent avec les, les, les faces déchirées comme ça. C'est eux qui semaient la terreur partout. À chacun son tour. Quand Pomba a pris le pouvoir, il a fait un faux coup de terre aussi avril 84. Il a pris tous les Ketoum Vangue. Il est monté sur eux. Avec les chars d'assaut. Quand les boulots luttent avec acharnement, c'est parce qu'ils ont peur aussi que ça les arrive les mêmes choses. Parce que si c'est encore les Nordistes qui reprennent aussi par force, on va monter encore sur eux avec les camions. La colline qui monte, c'est exactement la même qui descend. Les boules ont été montées, il faut qu'ils trouvent moyen de redescendre. On a dit qu'on voulait le changement dans ce pays-là, dans la paix. Ils ont dit non. Et tous les policiers camerounais sont que des brigands. Quand on change ce pays-là dans la paix, et on dit qu'il n'y a plus de corruption en route, les gars vont prendre les armes. Parce que s'il n'y a plus de corruption en route, les camerounais vont s'entretuer dans les rues. Je vous le dis. Parce qu'un policier qui avait l'habitude que tous les jours qu'il rentre chez lui. Rien que le racketage qu'il a eu par jour, il rationne sa femme 10 000. Imaginez-vous qu'il va commencer à rationner sa femme avec son salaire. Comment il va le faire Comment il va le faire Vous êtes d'accord avec moi-même en Europe Quand on enlève un homme de la prison, on le restitue un travail on lui donne une formation. Il a eu suivi. Parce que sinon, il va encore retourner en prison. Mais le policier qui avait l'habitude de raqueter, vous dites Ok, c'est bon. Maintenant, c'est ton salaire. Ah, ton salaire, Allah. Son salaire c'est combien Il n'a pas de salaire. Il y a des policiers au Cameroun qui ont bloqué le salaire pour longtemps. Il n'a pas de salaire. Donc quand les gens placent, se placent avec des, des, des trucs, vers sa cravate dit, non, changement dans la paix. Ce pays ici, vraiment. Je dis, mais vous, vous êtes toqués dans vos têtes. Vous n'avez rien compris. Voilà, voilà les pensées des dettes coloniales. Voilà comment dette coloniale pense pour dire, il faut seulement tout détruire. Petit fils, si bon. <laughs> c'est comme va détruire ça quand ça serait sur nos têtes. Il faut qu'il y ait un... Je ne sais pas comment je vais le dire. Il faut qu'il y ait un système qui fait trembler ce pays-là. Jusqu'à tu sais, quand on remet sur les rails comme ça. Même les wagons sont un peu fatigués. Quand on va redresser les wagons, là, on va souder. Ça va être droit. Pour le moment, tout cela est pourri. Un douanier a un salaire peut-être de 250 000 ou 300 000. Chaque fin du mois, il a au moins 4 copines dehors. Tout ce que vous voyez au Cameroun. Quand on dit que. Sont-ils pour marcher? Mais il y a plein de camounets qui ne peuvent pas marcher. Imaginez-vous une fille qui qu a son copain qui est douanier, qui qu est jambe du douanier. C'est le douanier qui la paie à la maison. Vous dites qu'elle ne peut pas marcher? Pourquoi on arrête le système? Pourquoi son mari a un seul salaire? Mais elle paie sa maison comment? C'est que le professeur Maurice Camto explique qu'il avait son plan là. Mais les camounets ne sont pas dans le fait de projets. Voilà pourquoi le père et la sardine va plus rapide que le discours. On dit LDPC, oh yeah! On dit pan! 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 Le professeur Maurice Kamto vient là-bas avec le gros français. Ils il ne comprennent pas ça. C'est nous de la diaspora qui comprenons le gros français. Quand tu parles avec un Camerounais au Cameroun, parfois il te dit que, mais Kamto lui, qu'est-ce qu'il veut même? Donc, il n'est même pas conscient de ce que le professeur Maurice Kamto demande. Mais c'est nous à la diaspora qu'on est conscient. On dit qu'on est 7 millions en diaspora. Sur les 7 millions, il y a que 100 personnes qui se révoltent. Mais vous donnez la chicotte au gouvernement de nous fouetter avec. Un jour vous allez rester dans vos canapés et dire, ah, il y avait un gars qui s'appelait d'être colonial. Je serai dans un fauteuil feutré très, très, très loin. Aujourd'hui on parle ensemble, mais les gens ne veulent pas sortir. Je vous dis quelque chose. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui partent au Cameroun chaque 2, 3, 4 mois, juste pour manger du boisson brisé, boire des bières. Et peut-être coucher avec des femmes. Parce que pour tromper sa femme en Europe, c'est plus difficile pour lui. Je sais, je suis conscient. Mais si on vous arrête si on, si on vous interdit d'aller au Cameroun, ça ne change absolument rien pour vous. Et il y a des personnes qui partent dans ce pays-là. Ils ne sont même pas. Ils n'ont aucune responsabilité dans ce pays-là. Ils partent juste comme ça. Ça veut dire que même si ne papa, pas, parfois quand il vient au pays, on ne sait même pas qu'il est venu. Plus qu'il n'a rien, même 2 mètres sur deux, il n'a pas payé. Il n'a pas une maison conçue à quelque part. Il n'a même pas les enfants là-bas. Donc quand il arrive là, je dis tout son pas, ça passe d'aller manger en bois de nuit, boire, danser, après prendre le vol et rentrer. Quand tu le vois, j'étais au pays. Tu le remarques, fait quoi Il n'a rien fait. Quand on dit la diaspora idiote, c'est vous la diaspora idiote. C'est vous qui faites qu'on pense que nous, on est des imbéciles. C'est la réalité. Hein? Je ne vous insulte pas, je vous dis juste les faits. Maintenant, vous avez peur d'aller marcher parce qu'on va vous interdire d'aller au pays. Vous ne voyez pas que c'est bête Quand je dis vous êtes des mendiants, vous comprenez pourquoi j'expliquais je, la mendicité, non Mais il y a des responsables parmi nous, là, qu'on les a interdits d'aller au pays. Leurs enfants se trouvent au pays. Parfois, il n'a même pas fait venir sa femme ici. Sa femme se trouve au pays. Il est interdit aux yeux d'aller au pays. Mais si on est nombreux à être interdit d'aller dans ce pays-là, mais ça freine aussi l'économie. Mais il y a quelqu'un qui savait que tous les décembre, tu es là, tu commandes beaucoup de boissons, grossés. Tu ne vas pas venir. Mayakaba finir par comprendre pourquoi ce monsieur-là ne vient pas. Est-ce que ça, ça vous titre pas le cerveau un peu? Celui qui vend l'essence, si, si on dit qu'on manifeste pour interdire les assis de travailler, mais lui ne serait pas content parce que comment il va faire pour vendre l'essence? Si on dit qu'il y a la guerre, là lui il y a l'essence, comment il va faire pour que l'essence arrive? C'est le chemin, c est, c est, c est, ça suit la chaîne, quoi. Je ne sais pas comment je peux faire pour expliquer quelque chose que vous allez comprendre. Le plus important ici en Europe, c'est qu'on est nombreux. On est nombreux en diaspora. Que si on sautait. Vous savez, je vous ai tout dit quelque chose ici, que moi j'ai vu à mes yeux. À l'époque, en Espagne, les années 2000, 2001, 2002, mais dans les villes où on se trouvait, on marchait long. Tu pouvais passer des jours et des jours sans voir un noir. Et quand tu voyais même un noir, soit il est latino, soit il est... En il fait est latino ou jamaïcain. Mais à partir de 2005, les gars sont entrés que en cascade. Aujourd'hui, 4000. Demain, 5000. Oui. Non, ils sont entrés 2500 la nuit hier. Et ainsi de suite. On se retrouvait nombreux en diaspora. Où sont toutes ces personnes là pour ne pas aller marcher Moi, mon mot de fin, c'est que n'accusons plus ceux qui sont au pays qui ne sortent pas. Ils sont là devant on tire à balles réelles. Ils n'ont pas la capacité de sortir en masse. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à s'organiser. Maintenant, vous êtes là où on ne tire pas. Parce qu'aller marcher à Genève, il n'y a pas de garde lacrymogène. Il n'y a pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ça se fait peur. Hein. La marche à Genève, il n'y a pas de garde lacrymogène. Parce qu'on ne va pas bousculer la police. Quand on dit, quand on parle d'opération coup de poing, c'est là, là où il y a les garde lacrymogènes. Parce qu'on charge la police et la police. Mais le fait de charger la police aussi pour nous, c'est d'attirer les médias. Vous, vous, comprenez, vous comprenez cela Parce que nous, on, part, on se place comme ça, on crie seulement. Mais ça ne va aller nulle part. Mais quand on charge la police, ça arrive. Si on parle, on ne charge pas. Ça n'arrive pas. Vous avez compris C'est ça la stratégie. On les charge, les médias parlent. On ne les charge pas, les médias ne parlent pas. C'est ça le problème. Mais si on sont nombreux pour aller manifester, il y a un truc qui me plaît toujours en Europe. Et j'ai toujours demandé pourquoi nous, les Noirs, on n'a jamais pu faire cela. Pourquoi Pourquoi Les Blancs, quand il y a un problème chez eux, sortaient tout le monde même le grand père avec le bâton les il dehors ils ont eu à marcher depuis la nuit des temps pour ça c'est dans leur gêne chez les noirs on tue même l'enfant du noir il est incapable de se déshabiller en pleine rue le noir déjà il y a un truc il y a un fait qui est normal hein. je vais vous raconter une histoire si cette personne écoute ce Facebook live ce n'est pas pour ce n'est pas pour le pour pour réveiller encore ses blessures. Mais c'est un truc qui m'a marqué beaucoup. Quelqu'un est parti. Quelqu un a, une petite fille est morte à là On prenait la petite fille, on devait la dérer. Je pense qu'elle devait être de Bouda ou de Chang. Un truc comme ça. Mais c'était quand même un village par là-bas en bas. C'est plus trop le village. Et la petite fille, maintenant on l'a pris, on l'a mis au-dessus du car. On l'a pris, on l'a mis au-dessus du car. La petite fille est morte à là la famille a quitté les de, 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 de tantes, les cousines. Ils sont quittés de Yaoundé. Ils sont venus à Douala. Ils sont arrivés à Douala. L'affaire s'est passée, je pense, en 2009 ou 2010. Ils sont arrivés à Douala. Ils ont pris le même bus. Imaginez-vous toute une famille dans un bus. Et la petite fille sur le toit. Le bus est parti s'écraser au col bâti. Ça a tué tout le monde. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Le père n'était pas dans le bus. Et le père n'était pas dans le bus parce qu'il était malade. Il fallait repartir après. En fait, l'histoire que je connais, c'est que le père n'était pas dans le bus, mais quelque chose se passait pour que le père ne soit pas dans le bus. Il y avait quelque chose qui s'est passé, le père n'était pas dans le bus. La famille est partie s'écraser le tout. Ça veut dire, le fils, la mère, les petits frères, tout le monde dans le bus, les cousines, tout le monde. Mais je vais vous rappeler que ce père a la vie toujours jusqu'aujourd'hui. Je ne voudrais pas que ça vous blesse. Moi, je ne pourrais pas. Je ne peux pas. Que j'ai mes enfants. J'ai ma femme. J'ai tous mes petits-soeurs, mes cousines. Là, ils sont dans un bus pour aller enterrer ma fille. Et tout le monde perd la vie. Je pourrais vivre encore, peut-être parce qu'il y a une fille ou un autre bébé. Puisqu'il a besoin de moi pour pouvoir grandir aussi. Mais c'est moi seul. Je vais me suicider. Je ne peux pas accepter ça. Et c'est ça qui manque chez le noir. Le noir n'a pas la capacité de se révolter. dit, je ne peux plus accepter. Un petit problème ici chez les blancs. Les gars commencent à jeter par la fenêtre. Quand ils sentent déjà que ces droits sont bafouillés, ils n'arrivent pas. Comme une dictature au Cameroun. Les gars vont se tuer. Mais vous voyez au Cameroun, la dictature continue. Ça fonctionne bien. Je vous ai dit ici que la seule personne que tout pour tout, il fait que le choco, c'est le Bamléke. Le Bamléke est le premier dans ce pays-là qui ne veut même pas que ça change. Je vous le dis sincèrement. Je vous le dis, il n'y a personne pour changer ça dans ma tête. Le Baméké est le premier au Cameroun qui ne voudrait pas que ça change. Parce que dans un pays comme le Cameroun, pour être riche, c'est rapide. Je vous explique. On ne paye pas les taxes, on jongle. On jongle. Au port pour faire entrer les trucs, on jongle. Et si tout devient légal, tout ce qu'on fait là, notre premier ennemi, ce n'est pas le boulot. Hein. Vous, parce que beaucoup se trompent dans ce domaine-là tout le temps et disent « Ah, mais j'ai dit que c'est le Baméliqué le premier ennemi de la lutte qu'on fait là. » Vous voyez tous les chefs américains là que pour un oui pour un non, ils sortent et disent « Vraiment, il faut que la diaspora se calme. » Ce sont des mendiants, oui. Mais le problème c'est que la richesse qu'on a investie, voilà pourquoi je vous parle tout ici, mais là, comme toi À cause de l'argent de la tontine. Ces gens-là ne sont pas prêts pour qu'on change quelque chose au pays. Ils ne sont pas prêts. Le boulot les effets avec ça. Que commencez, c'est vous qui allez perdre. Vous êtes d'accord avec moi Parce que c'est ce que la ministre vous le dit tout le temps. Commencez, vous allez perdre. Vous allez les immeubles. Ils n'ont rien construit. Dans ce pays-là, ils ont toujours vécu comme des personnes qui sont de passage. Regardez pour moi, au Cameroun. Il vit comme rien qui part demain. Vous pensez que c'est Gongo qui a fait le contraire Vous pensez que c'est le qui a fait le contraire? Voilà à Tanganji, avec un peu le sang anglophone. Regardez les maisons qu'il a construites là-bas. Parce que ça circule un peu dans son sang, un peu bamoun anglophone mélangé là. Il est un peu construit. Mais tout le monde pense toujours qu'ils ont en train de partir. Que demain n'arriverait pas. Et que pour un oui ou pour un non, ils vont prendre les hélicoptères et ils vont fuir le pays. Eux-mêmes, ils veulent la guerre dans ce pays là. Eux-mêmes, ils cherchent la guerre depuis. Mais ils ne veulent pas déclencher par eux-mêmes. Parce qu'ils savent que si c'est eux qui déclenchent, pour finir, le, le, la va les poursuivre. Ils voulaient que ça soit déclenché dans la nature. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire C'est le véritable problème. Le principal problème du Cameroun selon Bamlike. Il a les magasins partout. Il a les boutiques partout. Il rend tout le monde jaloux. Pas parce que c'est malin. Hein? parce qu'il est battant. Il rend tout le monde jaloux. Le boulot, lui même il l'explique non Le Bamlike vient payer ton terrain, il est en babouche. Demain pas le <laughs> Non. Il pète ton terrain, il est à Babouche. Une semaine plus tard, tu vois l'immeuble qui sort sur le terrain. Le même monsieur qui venait payer le terrain à Babouche, il vient plutôt maintenant, il est à un Pagéro. Le <laughs> vous le dis, merde. <laughs> Et c'est comme ça partout. Et mais ils ne sont pas conscients qu'ils font comme ça pour rendre les gens jaloux. Je vais vous dire quelque chose qui est simple dans la vie. Hein. Vous savez, vous savez pourquoi les blancs. Regardez les blancs. Les blancs ne sont pas trop. La, la jalousie chez les blancs, c'est un peu peu. Hein. Le blanc ne peut pas être jaloux jusqu'à vouloir empoisonner quelqu'un d'autre gratuitement. Il ne peut pas. Pourquoi, pourquoi, pourquoi pas Parce que chez eux, ils ont fait de façon que même le pauvre a un petit revenu à la fin du mois. C'est ça. Je vais parler un exemple, par exemple, de la Belgique. Un gars travaille. Il perd son travail. Il part au chômage. Le chômage est fini les assistants sociaux le récupèrent encore on continue à le payer ça veut dire qu'il ne gagne plus la même chose quand il était au chômage si il travaillait il touchait peut-être 1500 euros, au chômage il touche peut-être 1400 et qui de 1400 il rentre maintenant au, 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 au leur truc qu'ils appellent CPS il touche maintenant peut-être 850 dites-moi comment cette personne va être violente dites-moi comment cette personne va être jaloux parce que s'il avait une voiture qui payait à la banque, il continuait à verser le même argent à la banque pour payer sa voiture il n'a pas de problème. Mais imaginez-vous dans un village perdu. Un bamliké vient payer un gros terrain. Il sort l'immeuble là-bas. C'est lui le seul qui a le magasin. Là, tout c'est lui. Mais il rend tout le monde jaloux. Mais est-ce que ça c'est la faute du bamliké C'est la faute du gouvernement en place. Ils n'ont rien fait pour équilibrer. Dans leur tête, pour un départ, ils ont dit Vous les Bamelke, quand vous aimez le commerce, partez avec le commerce. Vous voulez avoir l'argent, non Partez avec l'argent. Nous on va garder le pouvoir. C'était mal connaître. Aujourd'hui, le banquier a tout. Il a totalement tout. Donc, quand vous voyez les boulots, ou même les bassins, hein, Ah, les Bamliki, machin, Amand Graffi, c'est juste la jalousie. Parce qu'ils n'en ont pas l'autre art. Hein. Et ce n'est pas bien dans un pays. Dans un pays, les richesses doivent être reparties un peu. Mais comment on fait pour que les richesses soient reparties Est-ce qu'on arrête les autres maintenant pour prendre l'argent à eux, pour repartager aux autres Non On change le pouvoir en place, on met un système social, ça permet que les gens puissent. Un peu, un peu. Nous, la génération déjà de 35 ans, 36, 40 en montant, tous ceux qui ont déjà 35 ans en montant là, ils ne pourront pas vraiment bénéficier de cela. Mais la génération de 15 ans et de 17 ans derrière là, si on se bat aujourd'hui, ils vont bénéficier de cela. Il y a des personnes qui ont 35-40 ans, ils viennent entrer dans la vie active. Ils, ils voient une grosse cylindrée, ils disent Je veux rouler une grosse cylindrée comme celle-là. Mais moi, ce que je l'ai dit toujours, c'est que nous, on a essayé cela. On a roulé au gros célerières, mais c'était à perte. Ça veut dire, l'argent qu'on a mis dans une grosse célinderie, on pouvait peut-être construire une, un immeuble avec. On ne l'a pas fait. Mais si je te donne ces conseils-là aujourd'hui, tu ne pourrais pas m'écouter jusqu'à ce que je tombes dans ça. Maintenant, tu as 40 ans. Ça veut dire que d'ici 10 ans, là, tu aurais 50 ans. Mais tes enfants qui sont derrière, là, tu peux leur donner la prospérité demain de rouler à ce Ferrari-là ou à ce Lamborghini-là. Quand vous voyez un jeune ici en Europe, la majorité des jeunes ici en Europe, rouler dans des grosses voitures, ce n'est pas son agent qu'il a payé avec. C'est que le père a travaillé pour longtemps, et il est revenu après maintenant, avec l'argent du père, il peut prendre le crédit et faire tout ce truc-là avec. Et payer un peu, un peu, il n'y a pas de problème. Mais si nous, les jeunes, on veut payer ça, on ne pourrait pas le faire. Ça veut dire que je me bats aujourd'hui, pas pour être riche, parce que je ne pourrais pas être riche. Ce n'est pas possible. Sauf si j'entends le gouvernement de Pomba et pour voler aussi. Mais la façon que je me bats, mon fils peut venir demain être riche. Il vient continuer ce que j'ai laissé voilà ce qu'on doit mettre dans la tête des noirs. Mais si les gens pensent comme les mendiants, ils ne pourront pas penser à cela. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, là, tous ceux qui vous me suivez ici, sur Facebook, là, beaucoup d'entre vous ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Vous ne pouvez pas être riche. Parole bah, de dette coloniale, écoutez ce que je vous dis. Travaillez dur pour que votre fille vienne derrière être quelque chose de grand. Si vous voyez quelqu'un qui est là aujourd'hui, qui est grand, quelqu'un doit travailler pour lui, le pour pousser avec. Vous pouvez me voir un jeune de 35 ans ou 40 ans qui dit que je suis riche. Tu as pris la langue. Tu as travaillé quelle année, quelle année qu'il est arrivé à ce, ce point-là? Avec les trucs qu'on nous trompe sur internet, que t'es choqué avec comme ça. C'est faux. La réalité, c'est en face. Il n'y a pas d'héros millions. Vous comptez gagner la loterie? Non, c'est faux. La famille. J'ai fait ce Facebook live aujourd'hui pour appeler massivement les personnes de sortie pour aller à Genève parce que notre pays est en train de sombrer. Ceux qui ont dit qu'on voulait déstabiliser le Cameroun, eux-mêmes, ils nous ont dévancés. Ils l'ont déjà déstabilisé totalement. Avant qu'on ne naisse. Alors, aujourd'hui, on tente de restaurer un peu ce qui reste. Qu'on suit un peu avec ce qui reste. On veut arrêter la guerre dans le nord et dans le sud-ouest. On a peur que le nord s'embrasse. On a peur que le nord s'embrasse. Et ceux qui pensent que la région de l'ouest pourrait rester tranquille et se calmer et laisser encore ce pouvoir-là prospérer, je vous dis déjà non. Ne vous trompez pas. C'est mieux qu'on fait ensemble. Si vous pensez que c'est encore l'époque des Nyobe et les NSW, oubliez, c'est fini ça. Parce que le deuxième tour, voilà la crise anglophone qui vous tient tête, non Deuxième tour, si nous on entre aussi dedans là, vous allez tuer les premiers que vous allez tuer. Mais à la fin, vous allez vous asseoir avec nous. Mais vous allez vous asseoir avec nous, avec la queue entre les jambes. Parce que vous n'aurez rien à décider. Tous ceux qui pensent qu'ils sont colonels, général, machin, là, ça c'est rien. Ça c'est rien. Vous avez les grades. Protéger la population. Vous, êtes, vous, vous rendez tout le monde haineux. L'armée camerounaise devait faire bonne figure et rendre la population fière. Mais vous rendez tout le monde haineux. Un Camerounais voit un policier, il a peur. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Dans un pays de droit, un Camerounais ne devait pas voir un homme en avoir peur. Ça veut dire que tu es poussagé par les bandits au lieu d'aller vers la police parce que le policier va encore t'arrêter, il va te comme ça, il va attendre encore l'agent. Tu es obligé de fuir par la brousse. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, ne faites plus ça. Euh, beaucoup de policiers. Il y a des gens qui disent Non, ne mettez pas tous les policiers dedans. Je vous mets tous dedans. Tous vous raquetez. Vous tous. Parce que personne d'entre vous ne vit de son salaire. Personne d'entre vous. Et ce pays-là va changer et ça serait difficile pour vous. Commencez déjà à vous adapter. Ceux qui ont dit que la diaspora pouvait se calmer, trompez. vous les trompez. vous parce que. On ne s'est pas levé comme si on partait euh, à la fête nationale. On était conscient avant de se lever. Si on vient me bavader toujours ici, c'est parce que je crois à quelque chose. J'ai un rêve. Et j'ai espoir que ça va changer. Hein? J'ai espoir que ça va changer. Et je voudrais que chacun d'entre vous mette aussi l'espoir que ça va changer. Rendez-vous à Genève le 28. J'attends beaucoup de Camerounais là-bas à Genève. Je voudrais voir le double de Paris. Genève est tout près. C'est tout près. Celui de la Belgique, ça vous fait 700 km. Ceux de Paris, ça vous fait peut-être 800. Ceux qui partent en vol, c'est exactement la même chose. Hein? La colline qui monte, c'est exactement la même qui descend. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je reviendrai encore toujours par surprise comme ça. Mais pendant la semaine, je vais faire les lives. Je vais faire les Facebook Live. Parce qu'il faudrait qu'on parle. Il ne faut pas que quelqu'un dise qu'il n'était pas au courant. Il ne faut pas que les gens ont les excusent. Vous avez encore 12 jours. Donc vous avez le temps. C'est jusqu'à le samedi de la semaine suivante. Vous avez le temps d'expliquer à votre patron que je vais faire un voyage. Mon pays va mal, la guerre est trop forte chez moi. Je vais aller marcher. Je vais aller manifester contre la guerre dans mon pays. Le génocide anglophone, le jour que ça va finir, personne ne va croire de ses yeux. Combien de personnes ont été enterrées là-bas Ils ont tué tellement de personnes. Je vais vous dis quelque chose. Ceux qui tapent beaucoup de personnes dans les commissariats avec les machettes, il n'y a que deux tribus. Je vous indexe. Parce qu'ils ont déjà ces capacités-là à le faire. Premier, les boulots. Deuxième, les bassins. Et la troisième tribu qui s'ajoute parfois à eux sans s'en rendre compte qu'il est juste là comme un feu de papier, c'est les bamoun. Vous allez voir que dans cette tribu, quand on veut prendre tous les hommes les plus méchants du Cameroun, on ne peut pas tous les prendre. Alors que c'est des peuples bien. Mais parce qu'ils veulent salir les autres. Ils veulent qu'à tout prix, on voit les autres comme des mauvais. Ils veulent à tout prix qu'on voit les autres comme des mauvais. Vous allez voir que ce que Banqui fait aujourd'hui, c'est ce que l'autre, avant de mourir, faisait. Les Banqui voyagent partout pour avoir des magies. Mais la magie ne peut pas construire un pays, Banqui. La magie ne peut rien faire dans le monde. Si c'était ça, c'est que le Bénin aurait eu la Coupe du Monde. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dans quelques heures ou dans quelques minutes.